Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien du groupe Jésus revient. Vous nous suivez sur la chaîne Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance à toutes les nations. Pour les préparer pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes sur l'émission Alerte Rouge. Peuple de Dieu, notre Alerte Rouge d'aujourd'hui va porter sur un nouveau thème, sur une secte chinoise dangereuse qui fait de, de ravages. Au milieu du corps de Christ. Prions. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu très très saint, papa, je veux te bénir. Merci pour ce moment, pour la grâce que tu m'as encore accordé de me présenter devant ton peuple pour alerter ton peuple sur un danger, un danger qui fait ravage au milieu de ta bergérie. Seigneur, tu fais de moi une sentinelle. Et s'il y a un danger, tu me bouscules à parler à ton peuple. Seigneur Jésus, alors prépare le cœur de ton peuple pour écouter ce message, pour sortir des pièges de l'ennemi. Seigneur, tous ceux qui vont écouter ce message et ceux qui vont le partager, Seigneur, bénis-les. Seigneur intervient dans leur vie. Papa, tu, ta parole nous déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors par ce message, tous ceux qui étaient déjà enchaînés dans cette cette papa dès qu'ils vont écouter ce message, que ta lumière les visite pour les sortir des ténèbres, pour les libérer toujours de l'ennemi. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. À au rouge. à au rouge. À la secte chinoise appelée Église de Dieu Tout-Puissant ou Évangile de Dieu ou Éclair Oriental. Peuple de Dieu. De quoi il s'agit Suivez-nous dans le développement. Peuple de Dieu, la parole déclare... Dans Ézéchiel 33, le verset 6 à 7, la, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur me permet de venir vous alerter sur ce sujet dangereux issu des dernières stratégies du diable, le père de la séduction et du mensonge. Chers frères et sœurs, je vous ai toujours demandé d'élever votre niveau de vigilance, sinon vous allez périr. Satan n'a de cadeau à faire à personne. Il est venu pour détruire, pour égorger, tuer et tout saccager. Et il ne veut rien laisser échapper à son filet. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup prié pour que le réveil atteigne la Chine, l'Asie et son entourage qui compte des milliards d'habitants et dont les gouvernants sont très hostiles à l'évangile. Nous prions beaucoup pour que l'évangile puisse atteindre cette partie de la planète. Mais malheureusement, en lieu et place de ce réveil, c'est un évangile tronqué, manipulé et sectaire qui a pris corps dans cette partie du monde. Il s'agit d'un mouvement sectaire qui a pour nom Église du Dieu Tout-Puissant et leur évangile, dénommé Évangile de Dieu ou Éclair Oriental de Dieu quand vous entendez église du dieu tout-puissant à première vue ça va vous toucher le cœur ça vous touche le cœur et votre cœur est, est, est séduit et vous vous dites ah certainement Dieu est dans cette affaire je vous le dis en vérité en vérité le diable n'a pas peur d'appeler le nom Dieu, 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 Dieu le diable n'a pas peur. Et je vous dis, sur la terre, des milliers de religions, des milliers de sectes utilisent le nom de Dieu pour tromper les innocents, pour tromper les enfants de Dieu, pour les attirer dans son filet. Rassons les sept que vous allez trouver qui utilisent directement le nom du diable pour s'afficher. Ils vont tous utiliser un nom de Dieu ou bien un attribut de Dieu pour attirer les hommes, pour séduire les hommes. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez tomber dans le piège. Je vous le dis. Beaucoup de religions, même se réclamant chrétiennes, sont des filets infernales du diable envoyés, créés pour capturer les brebis de Christ. Je vous dis, ils utilisent tous le nom Dieu pour attirer. Il y a d'autres même qui utilisent le nom de Jésus pour tromper. Mais ils ne vont jamais pratiquer 100% de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, de ce qui est écrit dans la Bible. Je vous dis, la première scène la plus dangereuse qui a commencé très tôt. A séduit la terre tout entière, c'est la religion romaine catholique. Ça, c'est la première secte que le diable a créée il y a plus de 2000 ans et qui continue de prospérer, qui continue de séduire les hommes sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on parle de la religion romaine catholique, qui n'est pas une église catholique, qui n'est pas une église chrétienne. c'est pas une église chrétienne. Non. Je vous dis, quand on parle de cette religion aujourd'hui, ça compte déjà plus de 1,5 milliard. C'est-à-dire 1,5 milliard d'âmes qui sont prêts à mourir. Quand vous demandez, je suis né catholique et je vais mourir catholique. 1,5 milliard millions d'âmes prêts pour l'enfer. Mais le diable n'est pas fatigué. Il n'est pas encore satisfait de créer De religions pour attirer les gens. De créer des mouvements sectaires, de De, 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 de religions et forcément qualifiés de chrétiennes, mais qui sont en réalité des mouvements. Diabolique, le diable n'est pas fatigué d'en créer. Et chaque jour, il en crée. Chaque jour, il en crée. Chaque jour, il en crée. Et depuis quelques années maintenant, il va tourner son radar de séduction vers l'Asie, vers la Chine, pour créer maintenant un nouveau mouvement sectaire. Parce que lui, il veut rafraîchir. Il veut rafrer je vous le dis en vérité en vérité lui il veut rafler il ne veut pas qu'une seule personne gagne le ciel lui son objectif c'est que 100% des âmes des êtres humains créés par dieu atterrissent tous en enfer c'est pour ça que il est habité de ruse et de rage pour détruire, pour dévorer. Mais il utilise beaucoup de séduction pour attirer, attirer, voyez, attirer. Il éteint le filet seulement. Et quand il éteint le filet, il va écrire le nom de Dieu sur ça. Et quand les hommes voient Dieu seulement comme un panier, tout le monde commence par rentrer dedans, rentrer dedans, et puis pas quand c'est rempli. Il va fermer. C'est ce qu'il fait. C'est à cause de ça que des millions se font appeler chrétiens, adorateurs de Dieu sur la terre. Mais sur le chemin au portail du ciel, il y a seulement un petit effectif qui entre. Je vous le dis, peuple de Dieu. Et tout cela se passe à cause de l'ignorance des hommes. À cause de ce que les hommes ont la facilité d'être attirés par ce qui séduit, ce qui frappe à l'œil. Mais ils ne veulent pas accepter la vérité de l'évangile. Ils ne supportent pas la vérité, ils ne supportent pas la vérité des de saintes écritures. Le diable a vu cette facilité dans l'homme et ça lui donne la main d'opérer. Regardez quand il est rentré dans le jardin d'Éden, il va commencer d'abord par utiliser la parole que Dieu même a dit. Il va dire à Adam et Ève, Dieu vous a-t-il réellement interdit de manger du fruit de tel arbre Voyez, le diable aime utiliser même la parole de Dieu. Et séduit l'homme avec, et il va le mettre à l'envers. C'est ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. À cause de cela, des millions et des milliards atterrissent en enfer. Et c'est en enfer que leurs yeux s'ouvrent. C'est un en enfer Qu'ils commencent par regretter. La Bible déclare. Dans Oséka chapitre 4, verset 6. Mon peuple est péri à cause de l'ignorance. Mon peuple périt. Mon peuple atterrit en enfer. Parce que il leur manque la vérité. Il leur manque la connaissance de la vérité. Et ils sont tous bourrés. de mensonges. Mais le Seigneur. Il ne veut plus que quelqu'un atterrisse encore en enfer par manque de connaissance. C'est pour ça qu'il a créé le groupe Jésus revient. Pour exposer les œuvres des ténèbres pour allumer la lampe de la vérité sur toute la terre pour que tout le monde puisse avoir accès à la vérité. Pour que tout le monde puisse avoir accès à à l'évangile de la sainte doctrine, à la vraie, la vraie parole qui peut sauver, qui peut délivrer et qui peut les aider à s'approcher de Dieu pour entrer dans son repos. Donc c'est la mission que le Seigneur a consignée au groupe où Jésus revient en créant le réveil. Alors peuple de Dieu ce travail que nous faisons vous devez réellement vous attacher à ces enseignements à ces exhortations à ces alertes que nous donnons pour sauver votre âme parce que au portail du ciel vous ne direz plus je n'ai pas été informé peuple de Dieu je vous ai déjà dit tantôt que de sept sur la terre, il y en a des millions et des millions. Alléluia. Mais en attendant de vous présenter dans une autre rubrique la liste de quelques sept qui utilisent la Bible ou le nom de Dieu ou le nom de Jésus pour tromper les enfants de Dieu, pour les attirer, en attendant cette rubrique. Nous allons vous présenter aujourd'hui cette cette chinoise qui est en train de prendre proportion, qui est en train de se propager dans l'Asie, dans toute l'Asie, et c'est déjà rentré dans l'Europe. Maintenant leur cible, dernière cible, c'est l'Afrique, et ils sont déjà en train de lancer leurs tentacules dans les pays africains. Mais tant que le groupe Jésus revient. Alléluia. Et sur la terre, nous allons sonner la trompette. Nous allons alerter. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendront le son de la trompette et se ressaisiront. Et se redresseront. Alors, pour parler de cette secte chinoise, qui je rappelle s'appelle Église. De Dieu tout-puissant, leur enseignement central est que Jésus-Christ est déjà revenu sur la terre depuis 1991 en tant que Dieu tout-puissant. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais là où le problème se trouve est que ils disent que Jésus-Christ qui est revenu est incarné dans le corps d'une femme chinoise. Alléluia. Il dit que Jésus est déjà revenu et il habite le corps d'une femme. Donc il s'est incarné dans le corps d'une femme chinoise. Et comment ça a commencé, peuple de Dieu? Ça a commencé, ce mouvement a commencé en 1989, au cours d'un réveil des églises de maison, où les gens ont commencé par se réunir de maison en maison sous la persécution des gouvernants chinois. Ils ont commencé à se réunir de maison en maison pour prier. Et c'est dans ces rassemblements qu'une jeune femme, a rejoint le mouvement, a rejoint l'une de ses églises de maison, et elle a commencé par prononcer des paroles, des paroles prophétiques, elle a commencé par prophétiser, elle a commencé par donner des paroles que c'était en vite qualifié de paroles divines, c'est-à-dire elle a commencé par prophétiser. Comment ça se passe aujourd'hui et nous alertons toujours l'Église de Christ de faire attention aux prophéties de Python. Quand les prophéties de Python commencent, c'est pour mettre sur pied un mouvement, c'est pour mettre sur pied une secte. Je vous dis la vérité, le diable ne vient jamais opérer les mains vides, il utilise toujours une pêche. C'est ce qu'il fait. Donc cette jeune femme a commencé par prophétiser. Pas prophétiser, pas prophétiser. La prophétie est biblique. Et toute prophétie doit respecter les saintes écritures. Voilà. Toute révélation doit respecter la sainte doctrine. Aucune révélation ne peut aller contre la parole de Dieu. Aucune prophétie ne doit aller contre ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Parce que c'est la Bible, la parole de Dieu, qui est notre couloir dans lequel nous devons marcher pour ne pas croyer, pour ne pas tomber dans le pied de l'ennemi. Alléluia. C'est ce qui doit être fait. Et malheureusement, les... Les gens de ce mouvement de prière, de ce groupe de prière, sans aucun discernement, ont cédé en croyant que effectivement cette femme qui prophétise, cette femme qui donne des révélations des paroles est Dieu. Et c'est comme ça ça a commencé. Peuple de Dieu, le mouvement ne mentionne jamais le nom de la fille ni aucun détail biographique, tout en admettant qu'elle est une femme. Les choses ont commencé petit à petit et ils ont gardé ça en secret. Et plusieurs chercheurs croient pouvoir identifier le nom de cette femme qui a commencé par se présenter comme Dieu Tout-Puissant incarné. Alléluia. Je vous dis, il ne faut pas faire la différence. Lorsque l'Esprit de Dieu descend dans quelqu'un, L'Esprit de Dieu se présente. Et dans sa présentation, on sait que ce n'est pas la chair qui parle, ce n'est pas la personne même qui parle, mais l'Esprit de Dieu parle en elle. Et quand l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu ne va pas rester tout le temps dans la, sur la personne. L'Esprit de Dieu va quitter la personne et la personne même va revenir en elle. Ça, c'est l'Esprit de prophétie. Et ça se manifeste. Et c'est biblique. Alléluia. C'est biblique. Mais ici, maintenant, quand l'esprit est venu, l'esprit est resté et l'esprit ne part plus. Et à tout moment, c'est l'esprit et tout le monde s'agenouille devant la femme. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas faire de confusion, peuple de Dieu. C'est très important. Alléluia. Donc, cette femme chinoise, elle s'appelle Nyang Tian Deng. Excusez-moi, je ne suis pas chinois, donc c'est ce que je vois. Donc elle est née en 1973 et dans le nord-ouest de la Chine. Donc c'est pas là-bas que les choses avaient commencé. Et en 1993, elle a été formellement identifiée comme étant Jésus. Voilà ce que les hommes ont commencé par lui attribuer. Les gens commençaient par l'appeler Jésus-Christ. Ah, Seigneur Jésus. Hey! Et les gens commençaient par l'apercevoir comme Dieu incarné, c'est-à-dire comme Dieu descend physiquement sur la terre. Et c'est ainsi que l'Église a pris corps. L'Église appelée Église du Dieu Tout-Puissant. Et ça a commencé par émerger sous ce nom. Et. Il euh, y a un monsieur appelé Zhao Weichang qui est considéré pas beaucoup comme le vrai fondateur de ce mouvement et il serait le compagnon de cette jeune femme et il est désormais reconnu comme le chef et le prêtre de cette église diabolique appelée église du Dieu tout-puissant. Et l'église elle-même insiste sur le fait qu'elle est dirigée et guidée personnellement par la personne qu'elle reconnaît comme Dieu, c'est-à-dire l'église a pour Dieu cette femme-là. Voilà. Et elle voit en cette femme l'image de Dieu, c'est que elle voit que c'est Dieu même qui est physique là. Voilà. Peuple de Dieu le message que prêche ce mouvement est basé sur le retour de Jésus-Christ. Mais là où ils ont placé le pied, c'est que, tel que je vous le dis, ils considèrent que c'est Jésus qui est déjà venu dans le corps de cette femme et que c'est fini. Et il n'y a plus un autre Jésus à espérer du ciel. Peuple de Dieu, nous avons tellement de Jésus aujourd'hui sur la terre. On, a, on vient à peine de tourner la page du, du Jésus Baoulé qui a pris corps en Côte d'Ivoire. Et dans d'autres pays, plusieurs faux Jésus ont, ont déjà émergé, ont déjà vu le jour, mais à un moment, leur mouvement disparaît. Leurs mouvements sont étouffés. Comme le Jésus Baoulé de la Côte d'Ivoire qui a été emprisonné. Peuple de Dieu, ça va encore venir. Même au Bénin dans mon pays, il y a une femme qui s'est autoproclamée dans un village appelé Baname chez nous et qui s'est dit que c'est elle qui est Dieu physiquement descendu sur la terre. Et que Jésus est son fils ou bien son frère. C'est qu'elle mélange tout. Elle mélange serviettes avec torsion, avec mouchoir, tout. Elle mélange tout. Et malheureusement, ce mouvement a attiré beaucoup de personnes. Donc, pour cette dame chinoise, beaucoup ont commencé par s'intéresser à ce mouvement mensonger diabolique. Et ils ont été malheureusement très affecté. Je vous le dis en vérité, en vérité. Peuple de Dieu, est-ce que notre Seigneur Jésus a présenté son retour de cette manière Est-ce que notre Seigneur Jésus a dit qu'il va prendre le corps d'une femme chinoise pour venir sur la terre, pour son retour, pour venir chercher son église Est-ce qu'il a dit ça Nous allons lire dans sa parole. Alléluia. Nous allons lire. Matthieu 24, verset 30, 31. Je lis. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Le Seigneur a dit Son signe va apparaître dans le ciel, et non en Chine. Voilà. Jésus n'a pas dit que son signe va apparaître en Chine, non et il dit et elles verront toutes les nations verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire alléluia j'attends ce jour et si je ne vois pas de mon vivant je ne croirai pas si je ne vois pas je ne croirai pas et Jésus me dit de ne pas croire si on me dit qu'il est descendu dans un pays où il est descendu dans tel coin de la terre, de ne pas y aller, que je vais le voir moi-même de mes yeux, physiquement, du ciel. Et il poursuit. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est-à-dire, il va faire le rassemblement en écrit d'œil. Alléluia. Et nous pouvons lire aussi dans Luc 30, 31, dans Luc 17, verset 30, 31. Je lis Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, en ce jour, que celui qui sera sur le lit. Ou sous le toit, et qui et qu aura ses effets dans la maison, ne descendent pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière, parce qu'il n'y aura plus le temps de faire ce retour-là. Ça va se passer en écrin d'œil. C'est donc un événement, peuple de Dieu, c'est un événement réel et physique, palpable, que nous allons vivre, nous les enfants de Dieu. Ce n'est pas un mouvement qui va, ce n'est pas un esprit qui va descendre dans un corps et venir se présenter devant nous. Non, ce n'est pas ça, non. Ce n'est pas ça. Alors, ce groupe déchire cette doctrine biblique qui présente Jésus-Christ venant des cieux dans la gloire. Cette, cette déchire, cette doctrine est présente maintenant leur propre doctrine hérétique sur l'enlèvement. Or, la parole déclare encore dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 1, le verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées. Vous voyez, c'est la même parole. Il vient sur les nuées, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Jésus lui-même a dit, et... Il a répété dans Apocalypse 1, le verset 7. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Donc, même les, les juifs qui l'ont percé le verront aussi et poiront. Mais ce sera trop tard pour beaucoup. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Pourquoi ils vont se lamenter Ils vont se lamenter. Parce que, au moment où on est en train de leur parler, pour dire, donnez votre vie à Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur de l'humanité. Les gens déchirent. Maintenant, quand la trompette va sonner, et Jésus-Christ va enlever les siens, son église, ses élus, son peuple, ses prébis, et que les autres seront abandonnés, c'est en ce moment la terre sera livrée. Au chaos et beaucoup vont croire maintenant. Beaucoup de catholiques vont croire, beaucoup de musulmans vont croire, beaucoup de secteurs vont croire, beaucoup qui ont vendu leur âme à Satan vont croire, beaucoup de prostituées vont croire, beaucoup de drogués vont croire. Et tous vont croire maintenant que ah, ce que les chrétiens disaient là. C'est vrai. C'est arrivé. Mais ce sera pour eux trop tard. Pour se racheter. C'est en ce moment qu'ils vont se lamenter. Ils vont pleurer avec amertume. Ils vont couler même des larmes de sang. C'est là qu'il y a la lamentation. Parce que Jésus ne viendra pas. Il ne vient plus pour sauver. Non. Mais il vient maintenant pour enlever son église. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Que disaient aussi les apôtres à propos de la doctrine de l'enlèvement des saints? Apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 52. À 54. Il dit, en un instant, hum. alléluia, ce sera un grand événement. Il dit, en un instant, fraction de seconde. Même si on peut même diviser seconde là, voilà. Fraction de seconde. Tu as, tu as cligné les yeux là. Le temps même de clignement de tes yeux là, pas tout a déjà arrivé. En un instant. En un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire, même le, les corps qui, étaient, qui avaient péri dans les tombes, ces corps seront revêtus d'un nouveau corps, d'un corps de gloire, d'un corps incorruptible. Et nous, nous qui serons vivants, nous le Seigneur va nous changer. Les vieillards vont devenir comme des jeunes. Les estropiés, les boiteux, leurs corps seront changés en corps de gloire. Car il faut que ce corps corruptible revête de l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête de l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Voilà comment les choses vont se passer. Et Paul reprend dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset. Euh, 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Vous voyez, tout ce que je lis depuis, c'est les mêmes paroles. La parole de Dieu ne mélange pas. C'est la même doctrine, c'est la sainte doctrine. Ça ne mélange pas. C'est les mêmes paroles. Il dit le Seigneur lui-même, quand il va donner le signal, à la voix d'un ange qui va donner le ciel. qui va annoncer. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Voilà ce que les apôtres qui ont marché avec Jésus. Voilà ce qu'ils ont prêché avant nous. Mais aujourd'hui, un Chinois va se lever. Pour dire que Jésus est déjà venu. Et moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je n'ai pas encore vécu cette expérience. Et on me dit que Jésus est déjà venu. Mais il est où On me dit qu'il est dans une femme. Femme mortelle. Périssable. Ah Peuple de Dieu, il faut être tellement naïf pour croire à ces mensonges du diable. Peuple de Dieu, voilà tout ce que les Saintes Écritures ont annoncé sur le retour de Jésus et c'est tellement clair c'est pas un événement qui va se passer en cachette en Chine non en, au même moment là voyez quand le soleil se lève voyez la planète le voit c'est comme ça quand Jésus va apparaître dans les nuées toute la planète verra je vous dis alors voilà qui est clair mais le diable, le séducteur, va présenter les choses à sa manière pour créer, pour présenter des faux Christ, des faux Jésus qui apparaît dans tel pays, qui apparaît dans tel pays, qui est descendu dans tel pays, qui est né dans tel pays, qui a fait des miracles dans tel pays. Hey! Chef de Dieu, le diable présente les choses de façon subtile, avec malice. Pour endormir les, les faibles. Et c'est ce système qu'il utilise depuis pour capturer. Et c'est ce qu'il a encore commencé à faire en Chine. Et non seulement en Chine, ça, ce mouvement a commencé par se propager. Et malheureusement, ces Chinois qui étaient fatigués des oppressions politiques. Et cherchant un sauveur, voilà le diable maintenant leur présente un faux messie qui est une femme. Un enlèvement psychologique. Le diable leur présente un enlèvement psychologique. C'est-à-dire, si tu acceptes ce Jésus chinoise. Voyez, on fait beaucoup attention aux produits chinois. Hein? On se comprend très bien. On l'utilise, mais on fait beaucoup attention parce que ça ne dure pas. Voilà, ils ont encore créé un Jésus chinois. Alléluia. Peuple de Dieu. Les choses qui viennent de Chine, on sait que ça ne dure pas. Voyez, maintenant, il, le diable va encore fabriquer une doctrine d'enlèvement psychologique. C'est-à-dire, si tu acceptes leur doctrine, c'est que tu es déjà enlevé psychologiquement. C'est que tu te dis dans ta tête que Jésus est déjà venu et tu crois à cette dame et c'est fini. Voilà. Regardez comment les gens, les gens vont atterrir en enfer. Avec cette folie, cette folie, cette stupidité. Et malheureusement, regardez. Beaucoup sont en train de tomber dans ce piège-là. Mais le Seigneur veut. Que nous alertons son peuple peuple de dieu je me pose une seule question pourquoi le diable est si mauvais pourquoi le diable est si méchant qu'est-ce que les créatures de dieu les créatures humaines lui ont fait et pourquoi veut-il encore empêcher empêcher les les chinois qui ont vraiment besoin les asiatiques ont vraiment besoin de l'évangile authentique pour être sauvés il va maintenant leur créer un évangile c'était avec une femme à la tête peuple de dieu ça fait mal et je vous dis ce mouvement utilise l'argument selon lequel ceux qui espèrent l'enlèvement physique depuis des millénaires, comme les apôtres, ne l'avaient jamais vécu. Et que parce qu'ils auraient mal compris la doctrine de l'enlèvement, et que c'est spirituel, et que c'est psychologique, peuple de Dieu, ça fait mal. Il dit que l'enlèvement, c'est comme accepter Dieu dans votre cœur. Et il vous visite. Et vous vivez votre enlèvement dans votre tête, dans votre cerveau. Hein? Ça fait mal. C'est totalement ridicule. C'est totalement insensé. Ça montre réellement que le diable est rusé. Et ce mouvement sectaire, je vous dis, quand vous allez sur YouTube, il faut de de très beaux films, beaucoup de films pour séduire. Ils ont beaucoup d'argent, je vous dis la vérité. Et ils investissent beaucoup dans les médias. Parce qu'ils savent que par les médias, on arrive à capturer beaucoup, beaucoup de proies. Donc, ils font beaucoup de films. Et c'est dans leurs films qu'ils mettent leurs semaines. Ils font de très belles affiches. Ils font même comme les, les témoins de Jéhovah, que vous connaissez très bien. Les témoins de l'enfer. Et leur idéologie sectaire, remplie de semences de pitons, sont très, très attrayants. Sur leur page ou leur chaîne YouTube, vous verrez que la plupart... De leur message passe dans les films pour facilement endormir les ignorants ceux qui aiment les films ils font tourner les choses ils font tourner c'est que quand vous suivez leurs choses beaucoup m'ont déjà témoigné. quand vous suivez les choses une journée là si tu n'es pas de la lumière tu vas tomber dedans je vous assure peuple de dieu Comment est-ce qu'on va me dire que Jésus est déjà venu et vit dans le corps d'une femme chinoise? Il faut être vraiment né de la dernière pluie pour croire à ces choses-là. Et beaucoup sont en train de croire à ces choses-là. Chers frères et sœurs, ceci est vraiment différent du vrai enlèvement que Jésus-Christ nous prépare. Ceci est contraire à la doctrine que Jésus nous a enseignée sur l'enlèvement. Et eux pour eux, Jésus est déjà venu depuis depuis 1991 et au moment où cette femme a commencé à donner ses révélations de Python, ils pensent que c'est depuis ce moment que Jésus est déjà venu. Chers frères et sœurs, ils appuient leur position sur Matthieu 24, verset 27, qui dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, et que qu'ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent aussi le mouvement l'éclair oriental. Voilà. Et leur interprétation erronée de ce passage implique que Jésus doit revenir de l'Orient. Donc, de la Chine. Donc, c'est ce qu'eux, ils ont capté. Voyez, quand vous n'avez pas l'esprit de Christ, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, et vous lisez la Bible comme un roman, vous allez prendre les choses comme un insensé. Alléluia. Quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit et vous lisez la Bible. Quand la Bible vous doit la lune, vous vous allez regarder le doigt. Vous serez en train de regarder votre doigt or oh, la parole vous indique la lune. C'est comme ça. Les Chinois ont pris ces choses-là. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour eux n'a pas suivi, n'a pas suffi. C'est pourquoi cette dame, c'est pourquoi Jésus est venu secrètement dans cette dame, dans le corps de cette dame, selon ce qu'ils disent, pour achever son œuvre, pour terminer son œuvre. Donc c'est pour ça qu'il est descendu en Chine. Et tous les membres de ce mouvement prient cette dame. Ils prient au nom de cette dame qu'ils considèrent comme la réincarnation en femme de Jésus. Ils considèrent que Jésus s'est réincarné, Jésus s'est transformé en femme pour venir sauver l'humanité. Et ils le suivent et lui obéissent et ils la vénèrent. Et se prosterne devant elle. Quelle abomination! Quelle idolâtrie! Et ils croient également que l'enlèvement a en quelque sorte déjà lieu depuis. Et que quand ils lisent les révélations de cette dame qu'ils considèrent comme Dieu Tout-Puissant, c'est que pour eux, c'est clair. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, en vérité, le monde est vraiment perdu. Et chaque jour, le diable travaille pour désorienter les hommes vers son chemin. Le chemin que lui-même a tracé pour tromper les hommes, pour détourner les hommes du vrai chemin. Je vous dis, ce mouvement sectaire, comme plusieurs autres mouvements, ont leur propre Bible appelée Nouvelle Révélation, et qui, selon eux, doit remplacer la Bible. Et ce livre, appelé Nouvelle Révélation, où... La parole apparaît dans la chair. C'est comme ça qu'ils appellent leur Bible ou la parole du Dieu Tout-Puissant. Voilà comment ils appellent leur livre. Et ce livre contient quoi Ce livre contient le recueil des révélations ou des paroles données par cette dame chinoise qui est considérée comme Dieu Tout-Puissant. Donc ce sont les paroles, toutes les paroles. Que cette dame raconte là. Toutes ces paroles sont écrites. Et on a fait de ces paroles une bible pour le sexe. Et ce pavé très volumineux contient plus d'un million de mots, de paroles. Et le jugement de ceux qui ne croient pas en cette femme chinoise. Comme personnification de dieu est décrit en détail dans cette thèse hérétique diabolique. C'est-à-dire tous ceux qui ne vont pas suivre le mouvement de cette dame chinoise de ce dieu chinois, c'est-à-dire seront brûlés en enfer. Leur jugement tout est décrit dans leur livre. Ah Et dans ce mouvement sectaire, <laughs> tel que je vous l'ai dit, la Bible est considérée comme obsolète, c'est-à-dire un vieux document, un document qui est déjà périmé, qui n'est plus d'actualité. Voilà, comme vous avez appris aussi que le, le pape du Vatican veut réécrire la Bible. Voilà. Peu de Dieu, voilà les choses qui se passent. Et selon eux, la Bible doit être jetée au profit de leur livre. Et elle déclare. Ceci, comme il, y a, comme il y avait la nouvelle œuvre de Dieu et que les nouvelles paroles de Dieu, naturellement, la Bible devait obsolète. Voilà ce que cette dame déclare. Et je vous dis, beaucoup, malheureusement, sont en train de tomber dans le piège de cette dame, de cette septe, de cette religion qui a vu le jour en Chine. Peuple de Dieu, ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Et d'autres éléments de ce mouvement, c'est que ils considèrent Certains éléments clés de la sainte doctrine chrétienne biblique, tels que le baptême d'eau au nom de Jésus, ou la prise du repas du Seigneur, toutes ces choses-là, pour eux, sont à rejeter. Donc, ils n'acceptent rien de la sainte doctrine biblique. Mais ils parlent de Dieu. Comment parler de Dieu et déchirer la sainte doctrine? Comment parler de Dieu et rejeter les choses de Dieu, de la parole de Dieu? Le piège est clair. Et malheureusement, beaucoup, beaucoup ne veulent pas prendre leur Bible et lire pour comprendre est-ce que tout ce que ce mouvement nous prêche, respecte. Ce qui est écrit dans la Bible, beaucoup ne font pas cet exercice. Chers frères et sœurs, vous voyez clairement que Satan ne manque pas de ruse et crée chaque jour, chaque moment, dans chaque coin du monde, un nouveau mouvement sectaire. À travers un nouveau personnage pour combattre l'évangile de Christ et capturer les âmes. Les âmes qui cherchent réellement Jésus-Christ. Je vous dis, dans le lot de ceux qui sont en train de tomber dans le piège de cette femme, beaucoup veulent réellement Jésus. Beaucoup cherchent Jésus, beaucoup veulent donner leur vie à Jésus. Mais malheureusement, ils sont tombés dans le piège de cette dame envoyée du diable. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Voilà la vérité. Et ces manipulations du diable, malheureusement, doivent, doivent continuer de prévoir sur la terre pour continuer de capturer les fils de la perdition. Mais les vrais brebis de Christ connaissent la voie de leur berger et ne suivent jamais un mercenaire, quel que soit son camouflage. Et ces mouvements, pour mieux opérer, placent toujours, tel que je vous le dis, le nom de Jésus-Christ au cœur de leurs activités, au cœur de leurs, de leurs mouvements, pour facilement capturer les faibles. Nous avons aujourd'hui des milliers de faux Christ sur la terre, dans plusieurs pays. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de, de, de mon pays, le Bénin, où une jeune femme s'est autoproclamée Dieu en chair depuis plus de dix ans et opère allègrement et compte aujourd'hui des milliers d'adeptes qui sont prêts à mourir pour elle. Voilà. Ils sont prêts à mourir pour elle. Ils, Ils sont prêts à mourir pour Dieu. <laughs> Vous voyez ça Le Dieu qui sauve là, les gens sont prêts à mourir pour lui. Non. Ça fait pitié. Et cette dame dont je vous parle, elle croque ses adeptes. Elle croque. Chaque mois, elle va venir demander des cotisations à ses adeptes sous des menaces. Et ceux qui ne cèdent pas à ces chantages. Et elle leur prononce des malédictions. Elle prononce des malédictions sur leur vie. Et elle leur annonce toutes sortes de malheurs. Peuple de Dieu, je vous ai parlé déjà du cas de la Côte d'Ivoire. Le, le Jésus Baoulé. Même au Togo aussi. Vous avez connu dans le temps un homme. Qui s'était autoproclamé père des nations avec la sête, et dénommée Israël spirituel et qui invitait tout le monde entier, tous les chrétiens à travers le monde entier à descendre au Togo, qui est la, Jér... la nouvelle Jérusalem, pour vivre le paradis sur terre où tout le monde va devenir milliardaire. Vous connaissez très bien cette histoire. Et des milliers de personnes, même des chrétiens, ont cru à cette folie et ont vendu leur maison et ont vendu leurs biens et ont abandonné leurs femmes, leurs enfants, leurs époux pour se rendre au Togo à la risque et péril. Beaucoup ont perdu la vie, beaucoup sont devenus fous parce que tout ce que ce réseau sectaire les a promis. Ça a été rien que de promesses. Ça s'accomplit. Alléluia. Et je vous dis, c'est comme ça que chaque jour, un nouveau faux Jésus ou un nouveau faux Dieu apparaît sur la terre pour séduire les hommes. Mais pourquoi ça continue de prospérer? Pourquoi cette tromperie continue de prospérer? Parce que les hommes ont la facilité d'accepter le mensonge que la vérité. Et plusieurs ont l'esprit d'égarement pour croire à ces choses, malgré tous les avertissements au sujet des faux-Christes qui vont venir, que les Saintes Écritures ont annoncé, quand Job voyait tous ces choses-là. Dans Job chapitre 1, le verset 12, job pouvait dire, l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. C'est-à-dire, c'est que l'homme a l'intelligence d'un fou. Quoi. Est que, comment est-ce que l'homme va se livrer à ses mensonges? Quand Dieu voit l'homme, il voit l'homme comme, comme un fou. Comme quelqu'un qui a l'intelligence d'un fou. Comme quelqu'un qui est né comme le petit d'un âne sauvage. Qu'on n'est rien. Peuple de Dieu, ne soyez pas ainsi. Ne soyez pas ainsi. Le temps que le diable a pris pour tromper les hommes, il faut que ça suffit. Il faut que ça suffit. Chers frères et sœurs, je vous dis. Ce mouvement chinois aujourd'hui, ça se propage partout et ça cible aujourd'hui le monde francophone, surtout l'Afrique. L'Afrique. Et leur propagande, c'est dessus, c'est de triste. Je vous dis, ça, ça attire et attire des milliers de personnes. Je vous dis. Même beaucoup de frères et sœurs chrétiens sont abonnés à leur page, à leur chaîne, et suivent leurs films, et suivent leurs enseignements, en croyant que c'est une page chrétienne, en croyant que c'est une chaîne chrétienne. Or, c'est pour vous faire un lavage de cerveau et semer en vous l'évangile de Python, pour vous égarer. Je vous dis, si vous manquez de quoi suivre sur Internet, prenez votre Bible et lisez, méditez. Je vous prie, je vous prie, désabonnez-vous de ces pages de l'enfer, de ces pages du diable, de ces chaînes diaboliques. Peuple de Dieu, le temps qui nous reste ne nous permet plus de nous amuser avec notre salut. La Bible dit, travaillez à, vo à votre salut avec crainte et tremblement. Ne vous amusez pas avec votre salut. Ne vous amusez pas avec votre âme. Votre âme coûte cher. Ce qui coûte cher en l'homme, c'est l'âme. C'est pour ça. Que Jésus est venu verser son sang. Et il nous a donné tous les signes, tous les avertissements. Il ne nous a rien caché concernant les ruses du diable. Mais malheureusement, vous ne voulez pas lire ce qu'il a dit, mais vous voulez voir ce que vos yeux voient. Peuple de Dieu. Je vous dis, faites attention. Faites attention. Ce mouvement sectaire, aujourd'hui, ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux. Ils ont pris d'assaut les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, les groupes Telegram. Et ils ciblent les chrétiens. Et ils ne travaillent pas pour attirer les païens. Non, ils n'attirent pas beaucoup de païens. Mais ils attirent les chrétiens. Et ils rentrent dans les in des frères et sœurs. Et ils les envoient des salutations très, que très sympathiques. Quand tu lis même leurs salutations, tu es déjà séduit. Les salutations, celles-là, te séduis déjà. Ils sont très accueillants et montrent un grand intérêt. Et une considération particulière afin de vous endormir. Quand ils s'introduisent dans, dans vos groupes, ils vont commencer à écrire à chaque membre du groupe dans les inbox en cachette. Peuple de Dieu, veillez sur vos armes. Ils utilisent des numéros d'Europe. Ils utilisent les numéros de France, les plus 33. Les numéros de Belgique, le plus 32, ils utilisent parfois le numéro de Chine. Ils utilisent aussi le numéro des États-Unis ou de Canada. C'est-à-dire, ils sont dans beaucoup de pays. Fais attention. Je vais vous donner les indices. D'abord, si quelqu'un en date une bosse et t'envoie une salutation chaleureuse, et il te propose un cours biblique en ligne. Et il va commencer par te parler de Dieu. Ou bien il va te dire, oui, nous sommes dans le même groupe. Bloquez-le. Bloquez-le, je vous dis. Ils sont, ils sont dangereux. Je vous dis en vérité, en vérité. Ne tombez pas dans leur piège. Toute personne qui t'envoie des liens. Avec ces indices que je vous donne, et te dit de venir suivre coup, coup biblique avec eux. Ce n'est pas un coup biblique. C'est coup de l'enfer. C'est coup diabolique. C'est coup sectaire. Fuyez-les. Fuyez-les. Et n'avalez rien de leurs semences. Je vous dis. Ils sont très très malicieux. Ils sont très rusés. Quand vous rentrez dans leur groupe, ils vont d'abord vous faire un travail de lavage de cerveau. Et vont vous prê prêcher maintenant leur Jésus chinois. Le Jésus de Chine, incarné en femme. Et quand vous suivez leurs choses, ils prononcent beaucoup le nom Dieu, 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 Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit, comme beaucoup de mouvements sectaires, beaucoup de religions diaboliques utilisent le nom Dieu, 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 Dieu. Ils utilisent ça. Et ils utilisent parfois le nom de Jésus de façon négligeable. Mais ils savent que ce n'est pas le Jésus de la Bible qu'ils sont en train d'utiliser. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des religions qui utilisent le nom de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Parce que la Bible même dit qu'il y a plusieurs dieux. Ah oui, la Bible même reconnaît. La Bible même reconnaît que oui, il y a plusieurs dieux. Il y a des dieux. Mais il y a un seul Dieu grand D. Mais ce seul Dieu grand D s'appelle Jésus-Christ. Ah, c'est choquant. C'est ce que l'humanité ne veut pas accepter et c'est ce qui est en train de mettre l'humanité dans tous les problèmes. Je vais vous lire. Vous-même, vous allez capter. Captez bien. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 7. Dit ceci. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit sur au ciel soit dans le ciel ou soit sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Vous voyez, la parole dit qu'il existe réellement, réellement, c'est réel. C'est réel que beaucoup d'êtres se font appeler Dieu, comme Satan lui-même, là. Quand il se présente devant, c'est... Ces collaborateurs, ils se présentent comme Dieu. Ils ne disent jamais qu'il est Satan. Hein. Ils se présentent comme le Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Wow. Dieu, Dieu dit Dieu, Dieu là. Pour Satan, ça ne veut rien dire. Dieu, ça veut dire un être suprême. Oui, il y a un être suprême des suprêmes. Mais son nom, c'est Jésus. Si tu ne dis pas son nom, c'est que tu n'as encore rien fait devant le diable. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre. Si tu ne connais pas le nom de ce être suprême et tu l'attribues un autre nom, tu l'attribues à autre chose, c'est que tu es dans le pied du diable, tu es en train d'adorer Satan lui-même. Je vous le dis. Et c'est ce qui est en train de tromper l'humanité tout entière. Voilà. La Bible reconnaît qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est dans ça que Satan fonctionne. Il sait que tous ceux qui disent Dieu sans reconnaître Jésus-Christ comme le seul et unique vrai Dieu sont avec lui. Voilà. Tu peux être chrétien ou? Tu peux être quoi, quoi, ou? Lui s'en fout. Tant que toi tu parles Dieu et tu ne considères pas Jésus-Christ comme ton Dieu, c'est que tu es avec lui. C'est facile à comprendre. Voilà. Donc, un papa dit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de qui vient toute chose. Et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Et il sort le nom de ce Dieu. Le nom de ce Seigneur, il dit, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et il ajoute, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Tout le monde n'a pas cette révélation. Tout le monde n'a pas cette réalité. Ils ont la Bible en main, mais ils continuent de chercher Dieu dans d'autres choses. Ils continuent de chercher Dieu dans des Jéhovah. Ils continuent de chercher Dieu dans des eh, Allah. Ils continuent de chercher Dieu dans Vierge Marie. Voilà! Mais Dieu, il est caché dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia! C'est choquant si on n'a pas la révélation. Mais c'est édifiant. Si on a la révélation, et si tu as cette révélation, tu es en paix, tu es en sécurité. Si tu prends Jésus comme ton Dieu, tu ne vas pas croire à un Dieu chinois. <laughs> Alléluia. Tu ne seras pas trompé par un faux Dieu. Parce que si tu crois en Jésus-Christ, tu auras l'esprit de Jésus-Christ qui va t'enseigner la voie de la sainte doctrine. Je vous dis, ce mouvement, les, les agents de ce mouvement, c'était, ils se montrent très humbles, très sympas à l'apparence, exactement comme les agents de, de témoins de Jéhovah, ou les agents des Mormons, ou les, les gens appelés Église des Saints des derniers jours. Voilà le mouvement dangereux, c'était. Mais c'est des fils de vipère qui sont formés pour avaler les proies faciles, pour avaler les arbres. Chers, chers frères et sœurs, aujourd'hui dans chaque pays, il y a un Jésus qui descend, qui invite les gens, soit à venir le rencontrer sur une montagne, soit à venir dans tel pays, soit à venir. Dans tel lieu, peuple de Dieu, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous sortez des tromperies, des tromperies du diable. Il est temps que vous vous levez pour dire non à Satan. Non, ça suffit, ça suffit ta tromperie. Tu nous as assez trompés. Maintenant, nous sommes mûrs. Il est temps que les hommes se lèvent et agissent. Sinon, je vous dis, chaque jour, il va, il va créer encore une nouvelle stratégie. Il va mettre encore sur pied un nouveau plan. Mettre sur pied une nouvelle religion. Peuple de Dieu, regardez aujourd'hui sur Internet, des gens vont vous écrire d'avoir une bosse, ou bien ils vont même publier sur des pages diaboliques. Veux-tu être riche? Veux-tu être riche? Et ils vont te proposer un mouvement, un mouvement dans lequel tu vas t'introduire pour être riche. Mais tu as vendu quoi pour être riche? Tu as vendu quoi pour gagner de l'argent? Beaucoup ne demandent plus ça. Ce que tu es en train de vendre, c'est ton âme. C'est ton âme. Et beaucoup ne demandent pas, mais si je vends mon âme, qu'est-ce que Satan veut faire de mon âme il ne, il, ne, il ne pose plus cette question. Ceux qui vendent leur âme, si tous ceux qui vendent leur âme ou ceux qui font part avec le diable, si au moins la majorité demande, au moins la moitié demande, se pose la question, mais... Satan qui est en train de payer mon âme là, qu'est-ce qu'il veut faire avec mon âme Est-ce que c'est une matière première qu'il veut transformer en un produit Si tout le monde se pose cette question, il y a longtemps que Satan manquera de, de candidats. Il y a longtemps que Satan manquera de clients avec qui faire fait ses affaires. Mais comme les hommes sont bébêtes, elle ne veut pas se poser ces questions. Ils vont aller vendre leur âme à Satan. Et pour faire quoi Pour être riche. Pour avoir de renommée sur la terre. De célébrité sur la terre. De gloire sur la terre. En échange de quoi De la mort, de l'enfer. Je vous dis, toi qui as vendu ton âme à Satan. Commence par te poser des bonnes questions. Qu'est-ce que Satan va faire avec mon âme Je te dis, hein, si tu fais part avec lui, ta durée de vie, là, c'est divisé en deux. <laughs> c'est comme ça, oui. C'est comme ça. Il faut le savoir. Il ne va pas te le dire. C'est pour ça que ceux qui ont vendu leur âme à Satan comme toi, là, regarde comment il meurt Pas un accident tragique. Parce que pour d'autres, on leur a donné 10 ans de durée de vie. Pour d'autres, on leur a donné 15 ans de durée de vie. Pour d'autres, on leur a donné, si c'est trop, c'est 20 ans. Tu ne vas pas essayer. Donc si tu as vendu ton âme à Satan il y a peut-être 5 ans là, il faut commencer par compter. Tu ne vas pas dépasser les indices que je t'ai donnés. C'est clair. Ça n'a jamais changé. Et aujourd'hui même, plus il te donne plus ce que tu veux. Plus il réduit maintenant ta durée de vie. Vous ne savez pas. Allez vous renseigner. Je vous dis tu n'as pas vendu plus que les, les, les grands stars, les Arafat, les, 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 les Michael Jackson et autres. Tu n'as pas vendu plus que. Ils sont où? Mika Jason, son père est encore vivant. Mais lui il périt déjà en enfer. Arafat, sa mère est encore vivant. Il est où Regarde comment il est mort. Voilà comment on périt. Mort tragique. C'est pour ça que tu dois fuir le monde et ses rudiments. Les choses qui brillent sur tes yeux n'est que des illusions que Satan a fabriquées. C'est comme des illusions. 3D, voilà. Des illusions que Satan met sur tes yeux pour t'attirer. Hum. Et tu tombes dedans. Ne cédez pas à ça. Peuple de Dieu, à propos des faux Christ, des faux Jésus, le, le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, verset 24 à 27, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point même de séduire s'il était possible même les élus et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand les faux Jésus viennent sur la terre Satan les donne de pouvoir pour attirer parce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose comme Jésus il faut qu'ils démontrent un peu que c'est Jésus voilà il faut que lui aussi il guérisse des malades il faut qu'il fasse des, des, choses, des, des choses magiques pour attirer. Voilà. Donc ils sont dotés de pouvoir. De pouvoir mystique, magique. Pour attirer. Et même les élus sont séduits. Et Jésus dit: Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. N'y allez pas. Voici. Il est dans, la, dans les champs. Ne le croyez pas. Voici, il est en Chine. N'allez pas. Car comme l'éclair pas de l'Orient de ce monde jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc pour ceux qui pensent aussi que l'enlèvement physique et l'accomplissement des prophéties tard, trop à venir, où s'accomplit. Je vous dis, attention. Ceux qui disent que oui, depuis là, on parle de l'enlèvement. Jésus ne revient pas. Les gens disent oui, Jésus revient, Jésus revient. Depuis, 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 mais il ne revient d'abord. Donc finalement, c'est une parole en l'air. Oh! Aucune parole de Dieu n'est en l'air. C'est à cause de toi. À cause de ce que ta repentance tarde, c'est à cause de toi que Jésus n'est pas encore revenu. Il attend juste ta repentance. Toi qui me en ce moment, Jésus attend ta repentance pour sonner la trompette parce que il veut avoir un effectif, un minimum. Mais le diable a envahi la terre. De toutes sortes de péchés, l'iniquité a envahi la terre, la débauche a couvert la terre. Et quand Dieu regarde la terre aujourd'hui, il ne voit que du noir. Il ne voit que du noir. Et il veut que le travail soit fait, un travail de repentance pour sonner la trompette. Sinon, si la trompette sonnait, oh! Combien iront au ciel? Parce que les gens ne sont pas prêts. L'église n'est pas prête. Donc toi qui écoutes en ce moment et qui émets aussi des raisonnements chanels et qui est désolé du, du retard que prend le retour de Jésus, le Seigneur te dit dans sa parole, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 8 à 14, que je te lis. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, dit la parole. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais, ils usent de patience envers vous, envers toi, toi, toi qui raisonne même là, ils usent de patience envers toi, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant pas que tu périsses, mais voulant que Tu. tous arrivent à la repentance, y compris toi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Et les éléments embrasés se dissoudront. C'est-à-dire, tous ceux seront dissous sur la terre. Les choses vont lâcher l'un l'autre. Même les immeubles que vous voyez brûler comme ça, c'est que. Les chèques qui retient ces immeubles vont se lâcher. Je ne te souhaite pas, même que tu sois une immeuble, le jour où la trompette va sonner. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Rien de ce qui sort de la bouche de Dieu n'est en vain. Ça va arriver. Et ce jour, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumé. Voilà ce que déclarent les Saintes Écritures. Donc, puisque donc, toutes ces choses doivent arriver, doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. C'est ce que Dieu recherche. Dieu recherche votre sainteté. Dieu recherche votre repentance. Dieu recherche votre piété. Dieu recherche votre crainte de son nom. Voilà ce qu'il recherche pour enlever les, les saints. Mais il ne trouve pas. Tandis que vous, vous attendez et hâtez. Vous êtes pressés de l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous, nous, ces élus, attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant que ces choses n'arrivent, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la Père. Alors, ne vendez pas votre âme à un prix forfaitaire, peuple de Dieu. Réveillez-vous et restez vigilants. Cessez de tomber bêtement et facilement dans les pièges de l'ennemi. Sortez de tout mouvement, de toute religion. De toute église qui utilise faussement le nom de Jésus, le nom de Dieu pour vous tromper, mais qui ne base pas sa doctrine sur les saintes écritures. Sortez, fuyez, désabonnez-vous, retirez-vous, retirez en arrière. Sauvez vos âmes. Rachetez les temps. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais, peuple de Dieu. Satan n'a pas encore fini de créer. Oh non. Il en multiplie encore et va en multiplier encore. Et va encore multiplier. Parce que c'est toi qui es visé. L'objectif, c'est d'avoir. 100% des êtres en enfer et 0% pour le ciel. Mais cet objectif ne sera jamais atteint. Alléluia. Si toi et moi, si nous nous réveillons pour dire assez et nous nous accrochons à la parole, nous nous accrochons à Dieu et méditons sa parole et mettons son, son, sa parole en pratique et l'attacher à notre vie, à notre âme, je vous dis, le diable lui-même va démissionner. Il va démissionner. Mais à cause de ton ignorance, il continue d'avoir de force pour tromper les gens. Mais le temps est arrivé où les yeux vont s'ouvrir. Et ceux qui auront des oreilles pour entendre, entendront et diront assez. Et ceux qui auront les yeux pour voir, verront et vont se repentir. C'est pour ça que Jésus-Christ a créé ce réveil avec le groupe Jésus revient pour sonner la trompette, dévoiler les œuvres des ténèbres, exposer la nudité du diable au public et arracher sa proie au nom de jésus christ c'est jésus qui est devant ce réveil c'est pour ça que il ne pourra rien faire quelle que soit cette tribulation cette persécution, quelle que soit son humeur jésus christ va le mettre hors d'état de nuit alors vous qui écoutez ce message vous avez une seule chose à faire Allez sur vos genoux et bénissez le Seigneur. Remerciez le Seigneur de vous avoir une fois encore ouvert les yeux pour vous sortir de la cage de l'ennemi. Pour vous délivrer des chaînes de l'ignorance. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous, li vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Mais tant que tu écoutes la vérité tu n'acceptes pas la vérité, tu demeures dans ta captivité. Tu demeures dans ton ignorance. Et l'ennemi va continuer de te manipuler jusqu'au jour où tu vas te réveiller en enfer. Lui, il fait une seule prière. C'est que tu demeures dans ton ignorance. Lui-là, il veut que toi, tu demeures en paix dans ton ignorance. Voilà. C'est pour ça que quand certains écoutent la vérité, ça les embrouille, ça les bouscule. C'est que la vérité sonne aux oreilles de certains comme un bruit de char. Et ils ne supportent pas. Si tu ne supportes pas la vérité, c'est que. Oublie le ciel. Oublie le ciel. Si tu n'aimes pas la vérité, si la vérité fait du bruit à tes oreilles et tu ne supportes pas. Qu'est-ce que tu iras faire au ciel? Pas où tu vas passer pour aller au ciel? C'est pas le chemin de la vérité que tu vas aller au ciel. C'est pour ça que si vous écoutez la vérité, bénissez le Seigneur et rendez-lui grâce. Alléluia. Quant à moi, j'ai sonné la trompette en tant que sentinelle, car le Seigneur dit: Si je dis que le méchant mourra. Et si tu ne l'avertis pas pour qu'il se répand, il mourra dans son iniquité. Mais je te redemanderai son ça. Mais si je dis que le méchant mourra et que tu l'avertis. et que lui, il ne se répand pas, il mourra dans son iniquité, dans sa pocherie. Mais toi, tu sauveras ton âme. Alors, peuple de Dieu, j'ai joué ma part que vous avez dit. Sortez de tout ce qui est mouvement, mouvement ou groupe ou religion ou église qui n'est pas bâti sur la vérité, sur la sainte doctrine. Et même les, les leaders de ces églises, de ces ministères, de ces mouvements, Cherchez-vous aussi, priez pour demander leur identité spirituelle, leur état spirituel. Parce que beaucoup, beaucoup aujourd'hui de leaders qui mettent sur pied des groupes, qui mettent sur pied des mouvements sectaires, qui mettent sur pied des églises, qui mettent sur pied toutes sortes de réseaux, je vous assure, beaucoup, beaucoup sont des mystiques. Beaucoup. Vivent dans la pourriture, dans des ordures. Mais quand ils viennent devant vous, ils se montrent, ils se présentent comme des saints, et ils ont des paroles mielleuses pour vous séduire. Et quand vous les écoutez, vous avez l'impression que c'est un envoyé de Dieu. Allez voir ce qu'il est en esprit et sondez-le, priez. Priez pour demander. Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle de mon pasteur, de mon prophète, de mon bishop, de mon révérend, de docteur, en divinité, quoi quoi là. Seigneur, je veux connaître son état spirituel. Je veux connaître l'identité spirituelle de l'église que je fréquente. Et déjà même, quand vous voyez les fruits de votre église, vous allez déjà avoir les indices. Quand déjà les fruits sont palpables, Dieu n'a plus besoin de vous parler par des visions. Non. Si dans ton église, la vérité est boycottée, la sainte doctrine est déchirée, la sanctification est, 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 est mise de côté, qu'est-ce que tu vas chercher, Dieu, là Toi-même, tu vois les choses. Ton peuple de Dieu, voilà ce que le Seigneur me permet de partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Jésus revient TV, abonnez-vous massivement à la chaîne Jésus revient TV. Parce que nous allons sonner la trompette. Et par ce canal, vous aurez beaucoup d'enseignements pour nourrir votre âme. C'est pour ça. Partagez cette chaîne à tous vos proches. Invitez-les à s'abonner massivement à cette chaîne parce que je vous dis Jésus est décidé par ce réveil à travers le groupe Jésus revient Jésus est décidé papa, et pour 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 dévoiler les œuvres des ténèbres pour vraiment nourrir ces brebis de vraies paroles alléluia alors il faut vous abonner sur la chaîne YouTube Jésus revient TV vous allez aussi sur Facebook vous tapez Jésus Revient TV. Vous allez vous abonner à la chaîne Jésus Revient TV. Ou bien si vous avez un décodeur satellite à la maison, que ce soit strong ou autre, vous pouvez capter facilement la chaîne Jésus Revient TV. C'est gratuit. C'est sur le, can, le canal des chaînes gratuites. Parce que ce n'est pas payant. Alléluia. Voilà. Ce que le Seigneur nous permet de partager avec vous. Vous pouvez aussi prendre notre numéro, le 00 229 97 25 35 39 ou 00 229 94 33 69 05. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Du groupe Jésus revient. J'ai sonné la trompette. Seigneur, grand Dieu, grand roi, tous tes enfants qui ont écouté ce message d'alerte, papa, visite-les. Seigneur, délivre-les de tous les liens de mensonge, tous les liens de l'ennemi, toutes les chaînes du diable qui les gardent en captivité. Seigneur, tous ceux qui vont écouter ce message, au moment même où ils seront en train d'écouter ce message, que les liens commencent par tomber. Que les chaînes commencent par être brisées. Que les chaînes commencent par être brisées. Que les liens commencent par tomber maintenant. Et qu'ils soient complètement libérés, Seigneur. Ceux qui vivent dans les chaînes de sorcellerie. Dans les liens de malédiction familiale, ancestrale. Papa, je déclare maintenant. Libère-les maintenant. Délivre-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime.